on a Ève-Marie avec nous encore. Ève-Marie Roy à la demande générale. Ben oui. Puis avez-vous remarqué que c'est l'été? Ben oui. Que j'ai changé de costume pour la première fois au studio. Vraiment? Puis j'ai les pieds nus. En l'honneur de Ève-Marie? À l'honneur de Ève-Marie, parce qu'aujourd'hui, on est des hippies. Là, moi, je veux pas être associée aux hippies. T'as dû faire ramasser avec ça, toi. Oh my God. Une grande intellectuelle nous a quittés. Denise Bombardier ne s'est pas fait que des amis. Elle avait des opinions tranchantes. Elle n'avait pas peur des mots ni de personne. Et même si j'étais souvent en profond désaccord avec elle, elle a tout mon respect. RIP. Je me suis fait ramasser. T'as raison. C'est dommage parce que c'était une bonne mouton noire, Denise Bombardier. Puis c'est vrai qu'elle a marqué l'histoire du Québec, mais c'est juste dans les 3 dernières années qu'elle a un peu échappé. Mais apparemment qu'elle était hypochondriaque, hein? Il y avait ça dans un article. C'est possible. C'est quoi le pouvoir de l'intention? Bien, le pouvoir de l'intention, c'est la source de la manifestation. C'est ça qui fait qu'on va manifester des choses dans notre vie. C'est notre capacité de centraliser notre pouvoir d'action sur des intentions. C'est notre capacité de nous concentrer pour générer notre expérience vivante. À 18 ans, j'étais assise sur les bancs d'école, j'étais comme, il y a de quoi qui cloche, là. Comment ça se fait qu'on est comme constamment sollicité dans notre mental puis qu'on nous parle jamais de qu'est-ce qui vit au cœur de la nature puis pourquoi la nature... Elle s'élabore à partir de quoi d'abord? Cette intelligence, mais comme tellement puissante. L'esprit, c'est l'omniscience. C'est toute l'information de la création. Fait qu'il y a eu une inquisition de la sorcellerie au Québec. Comment on l'invite-tu? On t'invite, Mélanie. Est-ce que Mélanie, on ouais, aime ça à sa les façon? Speak your truth in the night of the world. Pis tout. Brigitte, c'est ta grande chum. Ouais, en fait. Bibi. Puis tu couches avec Martin. Martin Geoffroy, ouais. C'est mon amant. Ouais, c'est ça. J'ai dit, mais... Ah ouais, mon fardeau, je mets ta petite chemise carottée de fermier, ça m'excite. Fais-moi un rigodon, yihon. Chante-moi un rigodon dans l'oreille, ça m'excite. L'Iran demande à la France de mettre fin au traitement violent de sa population. Okay, ça vient. Qu'attend la santé publique pour recommander le port de bons masques comme les KN95? Mets ton masque, puis femme, ta gueule. C'est ça. Écoute du Rachid Badouri. Oui, c'est ça. Puis elle, il parlait des changements climatiques que la guerre cause. C'est scandaleux. Hey! Les gars, avez-vous un orgasme? Est-ce que t'as été excité à voir ça? Là, je me possède plus. C'est que sortez la mop. Ça!